des deux autres, c'est pas ça, ils sont morts. Yeah bon, mon ami. Reste-moi jusqu'à la tombe. Arrête-toi. Hein, Jésus. Merci. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomiko bomana bango na bango, awololo mama ye ye ye. Biliaki bango bikoki. Talabako mako bomana pona sujet na yo yo, awololo mama ye. Abiliaki, biliaki bango bikoki. Anakin, bana Braza, bana Océanie, bana Bissonio Soto Sanga. Ça veut dire que tous s'abonnent massivement à la chaîne Webimi Mikolo pour Kanga Makamu. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Kagraf Songandila, number one. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Fellani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Songa Nzila, number one. Nathalie Tota et Pessimakam, chaîne Zara Moko. Y'a Vienne en Amoko Songa Nzila, vitrine d'Afrique. Bien, bisounio son akatia vitrine. Ota la bisouka en akatia vitrine. Mesdames et
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue en ce nouveau numéro de l'émission Œuvre de l'Esprit. Chaque fois que vous nous suivez, vous nous écrivez de partout où vous êtes et cela aussi nous encourage à pouvoir bien vous servir. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui nous fera du bien. Je vous demanderai déjà de suivre cette émission jusqu'à la fin, surtout ne pas zapper. Restez fidèles à nos programmes de la RTGA. Je vous demande de suivre ceci et cela nous introduira bien dans cette émission. C'est quoi le problème? Nous sommes de retour sur ce plateau. Il s'agit bien de Monsieur Brice. C'est un professeur d'université à l'Académie des Beaux-Arts. Donc c'est un assistant, disons, l'assistant à l'Académie des Beaux-Arts. Mais ici sur ce plateau, mesdames, messieurs, je le reçois en qualité de créateur de contenu ou créateur rédacteur. Donc il sera avec nous et puis on va parler de beaucoup de choses sur la création de contenu. C'est quoi le message apporté? Donc je vous demande déjà de suivre, il est là. Bonjour Monsieur Brice. Bonjour. Je préfère vous appeler artiste, je préfère aussi vous appeler réalisateur ou rédacteur. Vous vous sentez bien? Je me sens à l'aise selon la manière qui vous plaît. Merci. Donc Oezanda Kunabino. Parce que cette émission est salémina lolinga koyamba bino kopesa bino maloba parce que tozo valoriser bwanya ya moto cerveau ya moto onyo so muta vandi ameki ko manyolango abimisi bwanya moko ekozala bénéficiable na peuple. Voilà pourquoi to lingito yamba yo entre peu de mots ce qui esengi na yo moko o se présenter o koki ko loba ki ozana entre peu de mots. En très peu de mots, je suis un concepteur-rédacteur, aujourd'hui assistant à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, la télé aujourd'hui, elle va permettre à Naïna de se présenter de sous son kili. Mais, je suis un concepteur-rédacteur. Vous avez dit que 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 vous avez dit. Oui, parce que dit que vous avez dit que vous avez dit Bayebi mayele nayo mais bayebi la personne té. Donc tout au long de cette émission peut-être ça va permettre aussi na mokotomi balé bayeba pe ba découvrir bonya nayo. Et là nous allons parler de la communication visuelle. Certainement ezali nzela mulai eza munene, on ne saura pas tout parler sur la communication visuelle mais peut-être na moi mouké qui peut définir communication visuelle net ces alignés. Communication visuelle est une forme de communication où il utilise des images, des graphiques, des textes. Okay? Tant que nous avons des images, nous avons des photos. Donc, des images, nous avons des vidéos. Parce que la vidéo est une image belle sangani et comme il y a donc, il suivi. Un ensemble des images en mouvement où il y a un frame. Donc c'est des photos qui se succèdent comme ça. Après, il y a vidéo. Donc il y a les images, il y a les graphiques. Dans les graphiques, on voit les dessins, les illustrations, la peinture, ainsi de suite. Et ça part même beaucoup plus loin. Et vraiment, on a que le lot, c'est ce qu'on appelle les arts visuels. Et tous ces arts visuels, donc l'ensemble de ces arts visuels, font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication visuelle. Merci. Ndeke tozali na yo. Œuvre no aliboso au sala que ça soit na dessin, je ne sais pas moi na vidéo to na nini, eza œuvre ni. Bon, ceux qui n'ont bien matin en termes de dessin, histoire de dessin na lingamo akasi parce que
Ce qui est l'autre commune à plateau, c'est pour la dessin. En 2006, on a participé à un concours de l'ONU Bruxelles sur la bande dessinée. L'époque, il y a Katakata. 2006, ouais, Katakata. Alors, na beta lisolo ya Katakata. Na changé un mot contexte. Ça veut dire que, vu que les gens qui clairté, Katakata, Aza, To Azate, nous avons na profité na moi ambiguïté wana na créer histoire ya type moko pour se venger de sa petite amie ou azo ki mutu mususu a se faufila na kati ya rumeur a kata sa petite amie na butu après que son autre copain aya ko déposer tu vois et il gagna prix na Wallonie Bruxelles à cette époque là c'était je crois $100. La salle a plusieurs histoires, on se suit un tabac lobby et gagner un peu de prix, mais sous un autre nom. Donc, Tokabola Katikati. Ouais. C'est-à-dire que déjà, et c'est grâce à cette bande dessinée-là, que l'agence Moko et Akiko recruté pour Nazala créa. Ouais. Donc, on nous appelle des créatifs dans le domaine de la communication. Ouais. Dans la publicité en général d'abord. On nous appelle des créatifs. Et. Le directeur de création de cette époque, c'était un Indien sud-africain, je ne vais pas citer le nom. Abinanga en secret, ça m'a toujours marqué aujourd'hui et c'est ce que j'essaie de faire aussi moi à mon tour. Abinanga, au moins la façon dont tu dessines, les jours où tu apprendras la machine à n'inviter ceux qui m'ont le corps. Et c'était grâce à un petit dessin. Et là, tu le faisais seulement avec ta main. La main, donc je dessine, j'ai écrit les textes, nazu encre na couler. Ming, ces inspirations, d'où ça vient? C'est lorsque tu observes ton entourage ou bah il va bêter le solo, il peut au préparer mon année na yo, tout exactement sur l'ali ou la monkey et le bruit. Bon, déjà artiste Azam. Tout mi pèse à Congo belé, mais dans le belé, on peut compter dans l'écran. Justement. Tout mi ben à Rabat petit Dieu. Pourquoi? Tout ça, la manière on a besoin de quoi interpréter société où ils ont entouré besoin. Donc, nos inspirations viennent des non-dits ou des choses qu'on observe. Et à un moment donné, sans observation, ils sont très importants dans l'art. Les solo, par exemple, dans le biais à Katakata, ils ont l'air et comment tu peux m'en rebanger à ton doigt pour ton abanda. Normalement, ce qui est un bête en sens logique, non, n'est pas. Mais en tant qu'artiste, j'ai pris le soin de modifier cette histoire. La commission de fiction. Dans le PC en fiction, voilà. Donc, c'est une autre façon de pour la terre. C'est mon interprétation. Okay. Et ça peut être aussi vrai. Parce que je crois que la même personne ne pouvait pas être au même moment à Kassavubu, au même moment à Bandal, au même moment à ma campagne à Boumi. Tu vois un peu. Mais c'est ce qui est arrivé. Oh, Katakata, abomi pe na kitambo, abomi pe na abomi pe na boi. Et moi, j'ai pris ces doutes-là, la créer mon histoire. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a gagné la prière. Maintenant, sur ce plateau, nous avons un créa. En dehors, il y a Rana. Neti vidéo, elle bosse tout le temps. Vous parlez sur le. Donc, c'est comme si c'est une campagne où vous parlez sur le l'éducation financière. Et l'éducation financière. Ouais. Par là, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Parce que tout le monde a battu Baoki Mambangu. C'est quoi en fait cette campagne? En fait, par exemple, ça, encore une fois, on s'est inspiré de nos réalités. À Kinshasa aujourd'hui, et comment ceux qui m'ont dit Kima, ils allaient à Zouana nous jouer. Vous comprenez? Kima nous retourne à Sima. Parce que nous connaissons tous nos réalités. Donc, au petit calaboué, et Zuyope Bokenan. Bakanyo, il est au Kenan. On a vu Bakanyo, il est au Kenan. Ouais. Voilà. Alors, du coup, son moni, Montazoya, Yope, Landana. Et je me suis inspiré, par exemple, de ses comportements pour insérer mon message, qui est l'utilisation, par exemple, de la banque mobile. Ok. Voilà. Donc, au lieu Kima, au lieu de me battre, sur le Yenge, tu pouvais rester chez toi. Et faire tes opérations à partir de ton téléphone. Ouais. Donc c'est ça. Mais pour passer ces messages-là, si je les mettais carrément comme ça, c'est intéressant. Voilà. Du coup, on a exploité d'abord un comportement que nous connaissons tous,
Ok, bah, il y a son amoniga qui tape au continent. Il y a pas au continent. Oh, il balance, mm-hmm. Ouais, et au moment que na souka, eh bah, il y a que c'était juste pour un abonnement. Ah, donc, tu vois, bah, au Kimi Mango, bah, c'est pas possible. Ouais, donc, c'est un peu ça. Est-ce que le message est bien capté? Si je vois bien les commentaires, oui. Parce que dans, si on va observer dans les commentaires, il y a Batou. Au moins, ah, on a Kin, les Alakabongo, Yebelanan. Ouais. Donc, Akin, c'est Yebelanan. Vous allez voir, dans les temps, c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont été dans le quartier, même aux innocents, et alors, ils ont été dans le Kimanan. Au moins, Kimanan. Parce que ceux qui ont été dans le Kimanan, tout le monde est... Oh, comment non, non, non. Après, les restes, on a... Tout le temps, on a... C'est ça, nan. Tu vois, un peu. Du coup, pour ne pas tomber dans ces erreurs-là, il faut Okima, nan. Parce que tout le monde est un potentiel suspect. Tu vois. Pourquoi vous avez choisi le mode de communication Ezala Digital, tandis que nous avons des chaînes de télévision? Il y a plusieurs canaux pour vous communiquer. Mais vous, votre cible, c'est le digital. C'est une très bonne question et j'espère que la réponse n'a pas aidé ma chaîne à tout se redéfinir. Aujourd'hui, si les gens regardent la télé, c'est Canal Plus. Hein, j'ai dit les chaînes Canal. Ouais. Les chaînes câblées. Les chaînes câblées, c'est mieux. Donc, c'est les chaînes câblées. Pourquoi? Chaque chaîne, au moins, n'a pas de câble, a un contenu. C'est-à-dire, je regarde telle chaîne pour ça. Je regarde telle chaîne pour ça. Je regarde telle chaîne pour ça. Mais chez nous, toutes les chaînes, elles ont presque le même programme. 18h, information. 19h, c'est pasteur. Après, théâtre. Après, information. Après, émission musicale. Après, les gens s'insultent sur le plateau ou pas. Après, c'est des débats qui... C'est la bagarre, oui. Non, ni tête, ni quai. Et les matins, c'est petit matin, l'émission de déjeuner, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que nos lignes éditoriales les a définies, ce qui fait que l'intérêt est porté ailleurs. Bon, maintenant, si j'ai fait une pub ou un élément, la tienne ou la chaîne Nabisso, vu que l'intérêt est porté ailleurs, soit je dois payer beaucoup plus d'argent pour mettre ça dans la chaîne Wana Batbatala, soit je dois choisir la chaîne ou les médias idéales, c'est-à-dire que tout le monde est dedans. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Et vous allez voir même que les panneaux ils sont visibles à pénétrer parce que dans les taxis, les gens sont comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination, à la poche. Et si ton panneau ou ton message se retrouve pendant qu'il est à destination, il n'a pas vu ça. C'est bon. C'est bon. Ah, peut-être. Oui. Mais peut-être. Donc on met des parenthèses. Oui. Maintenant, il y a beaucoup plus de parenthèses dans le système, il y a médias traditionnels. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le digital a changé un peu la façon de voir des choses. La raison pour laquelle Bisso Tolini message na Bisso Ezoa. Et puis à la sur, toke na ba canal Oyo, hein, Eza vraiment actuel. Les gens sont comme ça, alors je mets ma pub à booster. Donc, et quoi, là, ça va vous permettre à ce que message Eza là et comme on a destination. Exactement. Et puis Eza géolocalisé. C'est-à-dire que Eza pena. Na katia lupango auto, et puis Eza RDC. C'est RDC. Je peux voir na Kin Batali 10 000. Dans le Lubumbashi Batali, 20 000. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, vous êtes sûr que tous les jeunes sont connectés, en train de suivre et puis comprendre réellement ou exactement ce que vous avez voulu communiquer? Si je vais dire que je suis sûr, Nakoloba, non et oui. Il y a pourquoi deux non réponses. Et oui? Je dirais, je commence par oui d'abord. Bon, je commence par les non parce que les non est minime. Des fois, les gens n'ont pas de méga. Hein, ici, la connexion est assez difficile. Et nous avons aussi un problème de l'électricité, là, il faut le dire. L'électricité, ce qui fait même que les choix digitales, les âmes à casse, les âmes importants. Parce que dans la plupart des communes, si vous dites qu'il n'y a pas d'électricité, télévision, autant on est. Vous voyez? Mais avec son téléphone, au moins, par la batterie, jour, aux ananines. Ouais. Donc, si tu ne regardes pas aujourd'hui, demain, il peut regarder forcément. Après, toquer la méga. Les gens qui n'ont pas de méga, enregistrent un fichier dans favori. Tu vois? À Bombi. Le jour où il aura beaucoup de méga, où il sera connecté dans Wi-Fi, dans Otala. Mais pour la plupart, si Otala est statistique, je mets par exemple une vidéo qui fait 200 000 vues, c'est l'essentiel.
Et dans nos statistiques, à nous, du côté marketing, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai 200 000 vues, je les multiplie fois 10. Pourquoi? On dit, c'est un tel élément. Ah, il y a qui t'a dit, il y a un tel élément. On a des fois, pas naïe. Ouais. Et si on se retrouve en groupe de 20, total, la bise sur 20. Donc, si j'ai 200 000 vues, je multiplie fois 10. Mes résultats, je sais que je suis efficace. Et puis je vais mesurer ça, là-bas, retour, là-bas, tout le monde, ah, prof, c'est un mystique, c'est un mystique, bien, ah, grand frère, bon, voilà, c'est un mystique, on vient là, on a des problèmes, on a des problèmes, il y a les retours, les feedbacks, les feedbacks, ou l'interaction, les interactions, il y a beaucoup de voix, mais là, vous sentez que, non, ça, ça va bien. On va regarder la deuxième partie, toujours de la même campagne, parce que ce tobito est meilleur, parce que au même il y a une autre façon de communiquer, hein, par rapport à la stratégie et à la communication, c'est votre œuvre, et c'est un peu tout le bilango. Voilà pourquoi je lance un appel. Vous qui restez encore à la maison, vous êtes en train de suivre cette émission, n'hésitez pas. Il y a un numéro qui est affiché, appelez-nous, nous allons pour nous répondre. Et c'est par ici qu'il faut faire votre publicité. Vous avez besoin de faire savoir votre produits et services, en tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes là, nos portes sont grandement ouvertes. Faites la promotion de vos produits et services. On regarde ceci. On se retrouve tout juste pour la suite. Merci beaucoup à Pedi Pereira. Merci, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Mais, d'abord, casting et acteur, quelles sont les conditions où il faut poser un acteur? Parce que la plupart, nous voyons, ce sont des acteurs déjà qui sont connus. D'abord, le critérium, mes amis. Bon, déjà, vu que on a défini notre canal là, tu dis que tu voulais que là, na, tu choisir et na raison à ce moment-ci, ok, parce que les émissions, il faut pas trop comprendre bien comment est-ce que l'on procède. Les entreprise X, ils ont un problème, ok. Alors, le problème, on a Bazo Luka solution pour changer la perception, parce que tout est question de perception. On ne voit vraiment pas, des fois on perçoit. Par exemple, quand je vois RTGA, je le vois, je pense le lire, mais je sais que c'est RTGA. Et même si on changeait là, on mettait par exemple RTGE, de première vue sur Ipsina Bakomini Ninoloba, RTGA. Parce que je perçois. Okay. Je vois, on voit en général, on voit généralement des choses de l'intérieur. On me dit par exemple, ah, tu prends un escroc. Le jour où je te vois, j'ai mis mes téléphones dans les poches, j'ai évité tout parce qu'on m'a dit et moi je te vois en escroc. Donc on ne sait jamais, ça peut aussi arriver, ça peut être vrai que. Voilà. Oh, bah, le voyage n'arrive pas. C'est-à-dire que nos vies en général, tout vivant, on a une hypothèse. Okay? Parce que nous percevons. Et alors, le client a un problème à l'obité, il faut la traiter. En... Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, non, étude. Problème, n'ayo, oui. Si quoi, TV, ils ont un problème. Bah, tu vas plus na téléphone. De préférence, tout qu'il y a, bah, digital. Ok? TV, quoi, il y a la bise au moins, qui est. Mais, tout ça là, na digital, parce que digital, on est sûr. On te soit raté le lobby. Problème d'électricité, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, toponie digital. Alors, quand tu as toponie digital,
La digital est un peu bandi. Pour psychologie et digital, c'est la même. Donc l'homme digital a un comportement moussou. En instar, il y a un yonanga. On peut bien parler, mais au poster photo, il y a un ami qui a été mis là. Mais il a émetté. Ce n'est pas normal. Dans l'essence humaine, c'est dans le monde. Ah, il y a un aidé au sabou. Mais dans le digital, tu partages, je n'aime pas. Ce n'est pas normal. Mais ça, c'est la psychologie du digital. Et donc, Bissot, tout le temps qui moi psychologie, wana, tu as dit que dans le digital, il faut prendre d'abord les gens qui sont acceptés dans des communautés digitales. Voyez, on va communauté. Si aujourd'hui j'ai 400 000 followers, ça veut dire que j'ai une communauté de 400 personnes derrière moi. Je suis l'alpha et je contrôle 400 000 esprits digitaux. Et on choisit en fonction de ces gens-là. Donc, bah, audience déjà. Pour Moutalandakaye, c'est comme ceux qui m'ont croire dans Ngaï, que je fasse du mal ou du bien. À retrouver toujours place. À défendre et puis à bombayo. Exactement. Vous voyez. Et c'est par rapport à tout ça qu'on choisit les acteurs. Mais après, les figurants, donc ça veut dire que bah, c'est le second rôle ou le bah, troisième rôle, bah, ça a pour que sa densité et comme ma réalité dans l'histoire. Parce qu'au fond, l'histoire est une fiction. J'ai écrit, j'ai imaginé, donc c'est déjà une déformation du réel. Mais pour que ça paraît très, très, très réel, il faut mettre des gens autour, les quinois. Bah, ça a raison, mais là, c'est quand ça là, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et c'est ce que je disais. Synopsis, il y a un scénario mon côté au coma, lorsque vous êtes en face de l'acteur aussi, ça vous prend beaucoup de temps pour que vous arriviez à les faire comprendre et l'okoni une fois ça là où vous pouvez même vous appeler au téléphone ou lui dire ah hier yo ko jouer boy ma mo mo tabando travail même dans n'a parlé les jours où ya aiga pour un tournage. Ce qui est intéressant avec les professionnels, c'est que des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu lui dis seulement. Expliquer qu'à contexte. Il est à reproduire et le roi. Assez peu sûr. Et c'est très intéressant. Mais il y a aussi des rôles secondaires où peut-être c'est sa première fois, mais c'est aussi l'intelligence. Hein. Faculté à pour s'adapter. Ouais. Pas à Képenatan. Parce que la caméra, ils ont un monde compliqué. Il y a des gens qui sont très, très, très intelligents. Mais devant la caméra, à Bungi pena. Oui, parce que dans la caméra, il faut qu'on exagère toujours un peu les émotions. Pourquoi ça se perd. Il y a des gens qui ont dit mal. Mais la caméra, c'est bâti au gimmick qui tourne. Tu vois un peu. Or, il faut qu'on exagère dans le trait et tout et tout. Et quand la personne regarde, il peut à ressentir la même chose. Et ça, c'est un art. Et maintenant, vous êtes affilié quelque part à Batumoko déjà. Vous êtes locaux la société moko privée ou vous êtes là pour répondre peut-être aux besoins de tout le monde, bah tout bah de linga, peut-être bah communiquer par rapport il y a entreprise na bango tout par rapport il y a communauté tout lisanga na bango et bana bah occuper ko senga ba service na bango et pana bino. Donc bah tu vas ko senga ba service, oui, mais dans nos principes il y a la communication d'abord et dans parce que la communication dans le cadre où nous évoquons est plus liée à le marketing. Et que ceux qui ont travaillé par exemple dans la brasserie X, par ma conscience, d'abord, je ne peux pas travailler avec l'autre brasserie. Okay. Parce que je peux le faire, mais je suis une seule personne. Je prendrai les éléments d'ici pour mettre là-bas. Déjà, on a commis. Déjà, on a juste envers Yoti, on a bon abat. Et ce comportement-là, c'est dans le même moment aussi. C'est-à-dire, le fait que nous travaillons, par exemple, dans la banque X, dans le compte, on est dans la Rakuna. Donc, on a un gagnant sur le compte. Et dans la Rakuna. Et ce qui est au Kabani Nabiso, je peux collecter 2, 3, 4 mois. Tu vois, le temps que on va trouver une stratégie. Parce que c'est la stratégie, construction. Ce que nous voyons, les résultats que nous voyons, ils ont été des belles. Bon, le temps que nous avons adapté l'étude, nous avons bossé. Après, nous avons changé de direction, nous avons créé une base à Sika, aux clients Sika. Parce que chaque. Et rien sur ça, là, des fois, les artistes et tout, les communicants, ils ont une compagnie, ils ont un positionnement dans le marché, ils ont une stratégie dans le marché, ils ont un problème dans le marché, vision. Parce que tout ce que nous faisons, répondre à ça. C'est quoi la vision de l'entreprise? Et moi, personnellement, quand j'adhère à une entreprise,
et que ton commis partenaire dans travail sous une entreprise dans le même secteur voilà jusqu'à ce que ton kata contrat de localité apprendre ok mon ok côté en sous et ça fait de moi quand même un gars respectable mais je pose à paiement qu'à gagner peut-être il y a beaucoup de gens qui vont dire exactement qu'à gagner parce que l'OMIP ndenge so bakabwani nayo bango pe bakozwa mutu mosusu ekozala la peut-être côté nayo te kozala kwa manka gagner te c'est une façon de réfléchir mais na olingana bima na contexte philosophique te na tikala kana réalité a manka gagner est bien mais comme on dit on achète l'histoire ouais si aujourd'hui ngala ngina travailler nayo na ko se référer na ba oyo travailler na ba moka l'histoire ton histoire c'est quoi yé à zalaka boué à travailler na on a c'est qu'on a zobé t'en as battu sous très tu vois ce n'est pas très crédible et là maintenant si on peut parler de l'habillage il faut le dire vous nous avez changé l'habillage de cette émission bandego bata la biso bah au moins l'habillage n'engezali ça vous a pris combien de temps parce que moi je suis surpris c'est faut que je puisse le dire na télévision il y a pas une semaine depuis au premier technique pour Nayango et puis c'est fait. Et Zaki déjà passe beaucoup de temps à mon côté. Je vous ai expliqué ce qu'on veut voir, ce qu'on veut peut-être produire ouais. Et directement vous avez reproduit textuellement ce qu'on avait demandé. Difficulté Zaini, par exemple. Bon, la bonne réponse pour moi déjà la difficulté dans la lente. Parce que c'est si j'ai mis des difficultés en avant, c'est que je doute un peu de ce que je fais. Ils ont regardé, hein, c'est juste ma vérité et ou ma façon de voir les choses. Vous savez, chaîne, ils ont ce qu'on appelle l'identité visuelle aussi. Et une émission, même si l'émission a eu, ils ont une norme où il faut respecter, et il faut développer l'identité visuelle. Je suis enseignant, assistant quand même dans le domaine. Vous savez, ça veut dire que Naïebi au moins. Point ni où il faut toucher pour arriver à ça. Tu vois? Donc, ça veut dire que parler des difficultés, il y aura peut-être un petit moins de drame pour le public. Mais sinon, il y en a pas. Et dans ce que vous faites aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le monde qui est le plus important pour arriver à ça. Vous vous retrouvez où ils ont un endroit qui est toujours dans le monde qui est le plus important. Bon. Question, ils se souviennent. Ils en ont deux volets. Je sais que je suis enseignant. Au même moment, dans le bana public, au même moment, dans s'adresser dans les étudiants. La façon de voir de la jeunesse aujourd'hui, des Quinois, ou de la plupart des gens, ils ont qu'on s'est retrouvé. Mais qu'on s'est retrouvé, c'est quoi? Ouais. Tant que je travaille dessus et que je fais ce métier, c'est que je suis bien. Et ce qui compte, par exemple, dans ma façon de voir les choses, c'est que je sois bien. Et j'ai toujours dit, dans le baron, j'aime ma petite vie. Ouais, donc on a vendu un coin très paisible. Ce qui n'a pas coquille à Kosom Bali, pas à Somi. Ce qui n'a pas monté, n'a pas vendu et pas n'a rien. Ce qui n'a pas coquille à Rokende. Ceux qui ont appris la quête, ceux qui n'ont pas monté n'ont pas vendu. Pourquoi? Parce que ma vie ressemble à qui je suis. Ouais. C'est très simple. Il y a aussi des gens qui vous travaillent dur, mais en retour, ils n'arrivent pas peut-être à bénéficier de l'argent qui est passé. Tout le monde a une entreprise belle, tout le monde a notamment un artiste belle. Donc tu vas voir un artiste qui était là, il a fait 50 ans, 60 ans de carrière. Mais à la fin des comptes, on va nous dire qu'il n'a rien, il n'a rien gagné. Mais là, c'est en termes de ce que l'on voit, hein? Bah, matériel, tout ça. Mais ce qui est ok, en termes de contenu, ce que lui a pu donner, au moins, il y a un petit babylon qui est même un immeuble. Mais on dirait tout à la raté, nous, on ne compte que sur ce que l'on voit. Exactement. C'est au moins dans ce sens-là que je veux dire. Est-ce que, écoute, à moi, il y a un petit ma réponse, il y a une chose de très importante. Les gens ne disent pas toujours tout.
on ne voit qu'une partie de l'iceberg, c'est-à-dire la partie pointue. Dans l'imbola. Par exemple, dans le monde, on a boué, on va ah, n'est-ce pas bien boué, il faut aller à gagner un million. Peut-être que dans la communication, c'est ma philosophie, ma façon de penser. Ok? Je suis soupé, à ça, gagner qui n'a pas eu, on est en train de vivre, mais vie n'a pas eu, on est en train de vivre. Nous, on voit les résultats. Et permettre à ton mais à Zoki quand même. On voit les résultats. Okay. Et quand tu prends un gars pareil, par exemple, les canaux TV, est-ce que tu as par exemple, que tu n'as pas autant d'alliés? Et pour couvrir un peu ses hontes, vous voyez. Mais au fond, moi je ne veux pas parler de ses hontes. Je pense que au moins j'aurais vécu, c'est tout. Merci beaucoup, assistant. Ça nous fait du bien. Vous comprenez déjà que nous avons affaire à un assistant de l'université, à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est d'ailleurs Mikolo, ma caméra n'a biso et Zabna fixé l'Académie. Et nous demandons d'ailleurs. Il y a qu'on rencontrer le DG. On a eu à parler avec lui déjà autrefois, mais cette fois-ci, en tout cas, on va disponibiliser notre temps pour Nakokota parce qu'on doit valoriser cette académie. Les Obimisaba Tuamaye, les Obimisaba, grands artistes et Afrique. Je dis bien, et Afrique. Malheureusement, Bissot n'a Bissot toujours mon athée. Et cette fois-ci, cette émission, total, si la caméra n'a Bissot l'académie. Juste après, là, on ira aussi à Lina pour encourager. Il y a de jeunes artistes qui sont là. Voilà pourquoi je demande aux gens de venir dans cette émission. Ils allaient émission y'a qu'au fin gâté. Ils allaient émission t'es ouvert là où ils ont un danger, un menace. Non, ils allaient émission pour l'actualité. Donc, mais ce sont des émissions intemporelles. Même après 10 ans, 20 ans, on peut resuivre cette émission. Vous avez vu vers qu'est-ce qu'il y a, mon n'en est plus. Tant que Tomégal Kotiango, vous avez appelé, vous avez apprécié beaucoup. Donc, faites-nous confiance. Nous sommes là pour vous servir. Et nous disons grand merci. La direction générale de la radio-télévision du groupe L'Avenir pour la confiance et nous sommes là pour travailler et répondre aux besoins de notre population. Cette fois-ci, on va encore regarder une autre vidéo qui va nous permettre d'ailleurs à acheter avec notre entretien. Avec la permission, bien sûr, de Pedi Pereira, Gloire Kazadi, on peut suivre cet élément. Que je vous dois, je veux mon argent, s'il te plaît. Ma chère, c'est bien été. Comment tu peux te permettre de faire ça? Tu prends ma meilleure amie à moi, soit disant que moi qui n'ai que solo là. Donc, je appelle un dimanche à ma proposition, c'est ça. Je appelle un dimanche si un homme vient, que l'homme. Considération, ça me manque de respect. Il a raison. L'hymne national ne peut pas être chanté par une femme. Papa, où tu vas? Quel hymne national? Non, mais je comprends. La Marseillaise, c'est pour les Français, c'est pas pour les femmes. Mais c'est quoi le rapport? Mais mon Dieu, vous vous foutez de moi ou quoi? C'est pour les Français, pas pour les femmes. Pas pour les femmes, comment ça? Debout. Attends, c'est qui? C'est qui lui? C'est de moi là? Non, je comprends rien. Tu peux m'expliquer? Il y a un problème, papa. Putain. Pourquoi tu chantes là? Tu m'expliques? Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Awa, pas qu'à l'ouïe à mon aïni.
Je le vis, je le salue d'ailleurs. Pakaloi, je te relance encore. Il faut que tu aies au vent dans la Pakaloi, mon agini. Parce que là, je vois, Zola, dans ma geste à Moutouana, tout ça. Et que c'est à quoi, des fois. Et ça, en fait, c'est à comment tellement mettre que à y qu'on s'adapte dans le camouflage. Et ça, système à camouflage. J'espère que dans l'épisode, on a tellement que votre balinga qui est en mingi. Et tu réécrire continuité dans le groupe. Ok. Bah, c'est pas. Ah, en tout cas, je crois que tu as continuité dans le groupe. Vous êtes d'ailleurs. Nos portes sont grandement ouvertes. Donc, tu vas au Yambayo tout le temps parce que ça va aider aux gens aussi à s'adapter à système à communication. C'est très important. Et là, il était. Donc, à développer pas tellement camouflage. On est venu à défini un coin à Kimi. On est. À côté, il y a ce défi. On a attaqué dans le système à mon côté, mais il y a un système sous dans la quai. Aujourd'hui, par exemple, 100 dollars, il faut. Faisons que ça soit 50. Ouais. Banque Lambert, hein, Banque Lambert, Maboko Banque. Maboko Banque. Donc, Nazui, ça 50. Nazui 1000, Nazui 1500. Nazui, ouais. Et comme il est trop, Aroma Sugo a développé instinct survie, camouflage. Kimi. Mais à la fin, il y a Kaboukan. Ah! C'est Narin qui a Kindo. Si tu es un peu plus grand, tu es un peu déjà pression, tu vois un peu. Mais tu nous donnes déjà envie à yoga continuité, quoi, voilà. Continuité. Oh, continuité, non, le bâtiment, mais avec le casque aux solutions qui est comme les cas, Cécilia. Ah là. Merci beaucoup. Monsieur Brice, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je ne sais pas moi, un très peu de mots. Peut-être en cours de diffusion. Moi, ce que j'ai récapitulé, mon Rambo est très important. Et puis, ton impression par rapport à cette émission? En tout cas, par rapport à l'émission, j'espère que l'auteur de Belaba contenu. On a besoin de valoriser nos propres contenus. Et l'émission, elle fait partie d'un élément où ils ont à côté. Tu vois, c'est différent par rapport à ce qu'on voit. Et je pense, hein, il faut que tu développes la culture et la positivité. Boy. Merci. Tu le bon makambo, tu baki ça. Et mon tazo apprendre dans cette émission. Parce que je crois que la plupart des sociétés se construisent sur ça. Tu sais, na ma chaîne, nous sommes sur le monde, nous sommes sur le monde. Que un gars a créé le monde pour encourager les autres. Bah, ça, là. Donc, voilà. Exactement. Donc je pense que pour ça, vous méritez des soutiens. Merci beaucoup. Oui, et il y a un lobby déjà, donc il y a un par rapport à ce qu'on fait dans la coucou. Dans l'ombre, oui. Vous êtes de zéro dans l'ombre. Oui, et c'est ça notre vie. Pendant tout le temps, on a réalisé des choses, mais les gens ne nous connaissent pas. Ouais. Parce que c'est, on vit comme ça, on vit en arrière. Ouais. Et par rapport aux gens, aux personnes, il y en a tellement beaucoup. Mais en premier lieu, on doit remercier toujours les parents. Parce que quand nous parlons, quand nous passons dans des émissions, en partie, c'est leurs efforts. Nous sommes l'image de ce qu'ils ont voulu que nous soyons. Vous voyez, donc je crois que dans le cœur de chaque parent, on pense que mon fils doit faire deux fois plus que ce que moi, je puis faire. Donc mon premier merci part chez mes parents. Après, si je parlais comme ça, ça veut dire qu'il y a une main qui prépare quand même. Ouais, et la main derrière cette santé. Voilà. Je dois la remercier. Maman, tu peux se faire un bout à trop. Voilà. Tu peux se faire un bout à trop. Parce que tu es mouni. Hein. Donc, Aspena et autres. Est-ce qu'on peut se mettre debout déjà parce que nous sommes arrivés à la fin? Et là, au moins, on a bossé. Avec la soumission de notre réalisateur, oui. Mais on a dit qu'on a dit qu'on a bossé là au moins. Oh, Ninizu. Si je suis dans cette émission et que je parle, c'est pour vendre mon nom. Okay. Mais ce n'est pas pour moi, pour mes enfants. Ok. Oui, donc je pense aussi à nos enfants, donc on vous salue. Nous sommes là. La communauté. Merci, certainement. Mais bon, on a évité ce combo. Moi, Banapé, combo, Souskaka et Bombani. Attends-moi des trois collègues non académiques. La communauté. Déjà, on a DG. DG, on a plus de Bambouté à trop. Semaine au Ganaibi. Naibi, on aura le temps vraiment à Rolukayo DG. Tout mes cas là, parce que c'est vraiment très important. Il faut tout ça à moi et l'Europe pour l'Académie des Beaux-Arts. Une émission très